Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Master Hunter World, Iceborne compris. Commençons. Il n'y a pas énormément de temps qui s'est écoulé entre l'épisode précédent et cet épisode-là. Je ne devrais pas être trop rouillé d'un point de vue physique. Par contre, il n'y a pas eu de jeu non plus entre l'épisode précédent et cet épisode-là. Donc pas de capture de monstres supplémentaires, pas de chasse pour obtenir de quoi crafter des armes ou des armures, pas d'amélioration d'équipement. Nada. Dans l'épisode précédent, si je me souviens bien, on est parti sur le nouveau perso, je sais plus comment il s'appelle, le Super Saiyan, avec la grosse chevelure pleine de pics et plein d'assurance aussi, qui est arrivé, qui nous a filé tout un tas de cristaux en nous disant « Ouais, j'ai trouvé une nouvelle zone, il y a des trucs comme ça là-bas, ça a plein d'énergie, c'est un truc de malade », et qui nous invite à faire une expédition là-bas, donc ce sera l'occasion de découvrir, comme d'habitude, avec la première expédition par zone, un petit peu ce biome et ce qui peut l'habiter en termes de flore, en termes de faune et en termes de gros monstres aussi, parce que ça fait partie du charme de cette franchise, bien sûr. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait enfin mis un nom complet sur le Ratian, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, qui est devenu Ratian Sakura. Voilà, il a été nommé ainsi. Il est là, il fait dodo. Il est ici présent. Très content, j'en suis sûr. Alors j'imagine que j'avais clean. C'est vrai que j'ai une capsule aveuglante que j'avais pas utilisée. Mais j'ai clean mon inventaire, ça a l'air très bien. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? Est-ce que je commence par l'expédition de folie là? Oh, allez, on va commencer par l'expédition. Et puis on verra après sur quoi on embarque selon le temps que ça prend. Rivière éternelle, c'est la nouvelle zone. Partir en expédition, oui. Allons-y. On va voir ce que ça donne. Inutile de faire durer le suspense plus que ça. Je crois d'ailleurs la mission qu'on a fait dans l'épisode précédent, c'était la première rang 7. Hein. Ça monte les chiffres. Énorme. Le moment où la jauge est presque pleine, mais elle ne veut pas faire les derniers millimètres restants. Parce que ce sont les pires fichiers sur la fin. Ou le pire process sur les fichiers déjà processés. Ah, l'amiral. C'est son nom. Son nom, c'est son titre. Vous voilà. Et quelle ponctualité. J'aime ça. Ah bah, je suis venu dès que possible au final. Hein. Qu'on a repoussé le Zora Magdaros vers le large. Ah. Exact. Venez, suivez-moi. Allons-y. Je n'ai pas pris le temps de me présenter. Je suis l'amiral. Oh la vache. Le gros bonnet de la commission. Le gros bonnet de la commission, c'est lui. Je laisse au commandant la gestion du quotidien. Je ne suis pas homme à rester à quai. Ah, genre il est au-dessus du commandant, lui. Quand j'ai découvert un endroit. Juste qu'il fait, tiens, vas-y, fais des trucs. Quel monstre. Ah bah l'une des peintures Gajalaka. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Après la disparition du Zora Magdaros, le Nergigante s'est lui aussi volatilisé. J'ai donc décidé de suivre sa trace. Ce qui m'a conduit jusqu'ici. Une faille que le Zora Magdaros a dû créer, j'imagine. Et le Nergigante? Il n'est plus très loin, à mon avis. Oh là là, on est en présence du grand boss quand même, hein. Grand boss qui aime pas rester à quai comme ça, qui est en mode non, c'est bon. Mais dis donc, les peintures Gajalaka de la zone là, c'est directos donné, hein. C'est bon. Il y a un truc là en dessous. J'ai le droit d'y aller. Alors moi j'ai le droit d'y aller. Bah j'y vais alors. Cet endroit est incroyable. Regardez ça. Passe en dessous, hein.
J'ai peur. Ok. Là, il y avait quelque chose ou pas? Jamais, hein. Il y a une autre peinture. Ça n'a pas l'air. J'ai l'impression d'être de nouveau dans le Zora Magdaros, hein, quelle vie. Mais il y a vraiment toutes les... toutes les peintures de la zone qui sont là. J'en ai la chair de poule. La rivière éternelle palpite d'une quantité d'énergie incroyable. Tous ces monstres coriaces que vous avez affrontés, ils doivent venir de là-bas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La Commission et le Nergigante se sont mis à la poursuite du Zora. Son arrivée dans le Nouveau Monde a dû réveiller quelque chose. Genre un méga Zora? Ou quelque chose plus de genre un événement global pour tous les monstres? Il ne nous reste plus qu'à découvrir quoi? Pour une festivité. Préparez-vous au pire. À vos ordres. À vos ordres. Pire, préparez. Il passe par là, moi je propose d'aller voir ce qui se trame par ici. Hop. Mes collègues qui sont là. Nous y sommes presque. Oh là là, mais j'ai envie de miner tous ces trucs là. C'est terrible. Ah, les insectes, ça me donne plus rien. J'aimerais bien, mais je marche de manière obligatoire. J'y vais, les amis. Je suis vraiment à deux pas. Oh. Que l'on prenne cette roche. Impressionnant, hein? Oui. Que l'on en fasse une statue de Bubblegum. Vite. La terre des anciens. C'est fou, c'est comme s'il y avait plein de biomes extrêmement différents qui cohabitaient. On trouve ces cristaux un peu partout ici, ils sont vraiment fascinants. C'est le monde de l'extrême. Certains sont vraiment gigantesques. Comment se forment-ils? J'en ai aucune idée, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'endroit est saturé de bioénergie. Ce qui signifie que les bestioles du coin sont plus coriaces qu'un ouragan. C'est quoi un ouragan? Amiral. C'est un monstre dans les anciens jeux de la franchise. Quoi non? Ils ont fait un easter egg pour les gens qui connaissent bien le jeu, c'est ça? Jusqu'ici, au lieu de mourir dans le Val, quelque chose l'aurait attiré. Hein, j'en sais pas plus que toi. Mais il y a quand même un indice. Le Nergigante. Bien sûr, le Nergigante est toujours apparu. En même temps que le Zora. J'avoue, hein. Il apparaît, il nous embête et il s'en va. Une raison de venir ici. Et pas que lui, d'ailleurs. En fait, pas mal de monstres sacrément costauds sont venus s'installer dans le coin. Commençons par suivre leurs traces. On finira par découvrir ce qui se passe, avec un peu de chance. D'accord. Dans ce cas, pas de temps à perdre. Merci, chef. Tu es prête ? Oula. Écoute-moi attentivement. Notre plan est on ne peut plus simple. C'est mon plan. C'est le meilleur plan. D'abord, on explore un peu la terre des anciens. On étudie ensuite les monstres qui y vivent. Et enfin, on cherche des traces du Nergigante. Comme d'hab, quoi. Simple, non ? Explorer, étudier, pister. T'es prête ? Bien sûr que t'es prête, en avant. Les secrets du Nergigante. Pour retrouver la piste du Nergigante, récoltez d'abord ses écofacts. Ah, ça va faire comme le ratan. Signalé par la couleur bleue de vos navicioles. Ah, en fait, les bleus, c'est pour les études de ce genre-là, les investigations.
et mener des recherches sur tous les grands monstres peuplant la Terre des Anciens. Ensuite, entreprenez des expéditions et des quêtes libres de niveau expert afin de partir à la recherche des écofacts du Nergigante pour localiser son habitat. Mener des recherches sur tous les grands monstres peuplant la Terre des Anciens. Et ensuite seulement faites des expéditions et des quêtes libres. Bon, on va admettre. Hein. Lorsque vous avez récolté assez de points de recherche, retournez aux archives, une nouvelle quête sera disponible. D'accord, on est vraiment sur cette structure-là désormais. Assez perdu de temps. Opérer tous les monstres. C'est intéressant parce que d'habitude, ça c'est directement. On nous prend par la main pour la première exploration pour qu'on découvre des monstres, et là, non. Là, c'est. Vas-y, go. À notre arrivée, nous savions que le nouveau monde n'avait rien d'un mouchoir de poche. Mais entre ces montagnes et ces vallées infranchissables à pied, et la traversée des anciens, qui met tout sang dessus dessous, très franchement, je pense que nous n'avions pas la moindre idée des difficultés qui nous attendaient. Mais nous avons tenu bon, et avec le temps, nous avons fini par apprivoiser ces terres. Ah oui. Tu refuses de me dire pourquoi tu es venu dans le nouveau monde, même pas un tout petit... Ah, t'es encore là-dessus, toi ? D'accord. Ok, bon bah il faut que je... repère les monstres de... Dans la terre des anciens. Mais c'est avec des... Non, c'est pas avec des quêtes que j'ai. Il faut d'abord que j'aille les voir. On va s'apprendre peut-être tout l'épisode, hein, au final. Baladons-nous et puis on va chercher ça. Hein. Ok. Vas-y, ils veulent se battre. Oh, il y a un écofact. Je peux pas les... grands rapés, ils sont pas assez volumineux. Oh, mais ils crachent par contre. Ok, deux par terre, reste lui. Alors, ça s'appelle des Barnos. Je sais plus si ça s'appelait déjà des Barnos dans l'autre zone. En tout cas, ça me file de la peau de Barnos plus que j'avais pas déjà eu. Hop. Et hop. Ah, le cadran de temps restant est pas le même que d'habitude parce que c'est une expédition sûrement et du coup, j'ai tout le temps que je veux. Alors. Il y a de la bête par là. Oh là là, énorme caillou. C'est quoi ça? Collecte. Et si j'ai le truc rare, ça fait un ingrédient généralement. Beryl vérité. Ah non, c'est du minerai. D'accord, tout va bien. Mais non, c'est quand même pour filer des points. Je serais étonné que ça serve à la cantoche, hein, du coup. Ecofact par ici. Ah, d'être des pattes respectables, mais pas non plus énormes. Hein. Vieux sillon, c'est pas la même jauge, c'est pas la même bête. Mon avis, vieux sillon, vu que c'était plein de petits trous, je serais pas étonné que ce soit une sorte de radoban modifié. Grosse épine, ah, mais c'est obligé, ça va être une sorte de radoban modifié. Là. Ah non, c'est du Nergigante, d'accord. Comment ça? Je l'ai trouvé? J'ai gagné? J'ai gagné le jeu vidéo, j'ai plus besoin de faire l'investigation. Tout trouvé, direct. C'est pas Nergigante ça, on dirait un gros... le premier là. Gros Jargas là, je sais plus comment il s'appelle. Un Dodo Gamma. Vas-y, il a une bonne bouille en vrai. Il a l'air un peu benet. Oh là. Ok, ok, non, il a l'air maléfique. Il a l'air bonnet au premier abord, mais en vrai, il veut dévorer ton arme. bonjour. Oh oh. Oula. Ok. Chantez. Oh
Il a fait une petite accélération, pas piqué des hannetons. Je suis pas sûr d'apprécier. Allez, au boulot. Voilà pour niaiser. Oh, il y a eu tellement. Attention à pas rester sur son chemin. J'ai l'impression de rien lui faire. Ah, ça y est. C'est un petit peu l'impact là. J'ai cassé moi l'armure de mon boss. Je suis navré. Ouf. Par contre, j'ai oublié d'aller à la cuisine avant. Avant de partir. Chose qui arrive. On va pas être avare de potions. Ouf. On était sur 3 boules d'un coup. Mais ça va, j'ai pas pris ton char. Ok. Ah, il est vraiment, il charge. Il charge, mais il n'est pas aussi grand qu'un Radovan, du coup. Il a un côté comique. Je crois que pour le moment, je l'aime bien. Même s'il a sonné le bugger, du coup, il peut sonner les gens. Ça, j'aime pas. Et... ah comment il se fait éjecter tellement, hein, j'aime pas. Vas-y, pour le coup, vous me touchez. Oh, l'explosion! Les esquives, ça me l'a enlevé. Un fléau explosion. On va se mettre dans le mal. Oh vache! Donc il y a les autres qui font leur petit cri là. Ah, il y a une peinture pas loin. Attendez, je peux pas tout faire en même temps. Alors la peinture est par là-bas. Ok. Prends ça. De l'onirite. Et ensuite, je me dépêche d'aller retrouver le monstre. Parce que c'est bon, la dernière fois, j'ai déjà eu les Guyana, ou je sais plus comment ça s'appelle, qui s'était cassé. Donc, les vieux sillons, ça lui appartient pas à lui, hein, soit dit en passant. Lui, à mon avis, c'était des petites traces de pas. Je vais prendre les champignons qu'il y a ici. Champicole. Un champignon qui fait de l'alcool. La vache, fait chaud ici. Chaleur infernale. Son boisson fraîche. Ça risque de fondre comme neige au soleil. À quel point ça descend vite? Ça descend vite quand même pas mal. Okay. On saura l'intérêt de la boisson fraîche. Pauvre Vespoïde qui était sur le terrain. C'est de garder la tête froide autant que faire se peut. Faut que je remplisse mon bouclier. Ah, dommage! Partie détruite. Il y a le bubblegum qui prend. Je prends ça. C'est quoi ça? On sait pas. Je vais vous faire un truc, je sais pas compter quoi, mais j'ai peur. Bouge pas. Ça c'est offert.
Ok, une boîte. Ça. Viens là, viens là, viens là, viens. Cours, 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 viens là. Allez, je sais qu'il y avait des morceaux, mais je veux le capturer. Faut que je le dépasse. Voilà. Ok. Je l'ai capturé, je peux pas le looter de toute façon. Je vais chercher les objets vite fait. Alors, ça c'est donné. Ça, prend. Ça c'est des munitions. Excellent. Ensuite, les vieux sillons. L'ambre ici. Très bien. Artisanat. À faire. Ça. Ça. Bien là-dessus. Cool. Très très bien. Alors, zone 5. Je sais pas si j'avais déjà été dans la zone 5 ou pas. Y'a un truc là-haut. Non, j'ai pas été ici déjà. Bonjour. C'est une sorte de questodon de cet endroit-là. Hein. Des gastodons. Allez. Curasse gastodon. Carcasse aussi au passage. Récupère, on récupère. Hein. Pas de raison de laisser traîner. Du miel là-bas. Pour le moment, j'ai vu qu'un seul monstre, mais je sais qu'il y en a au moins un deuxième qui traîne quelque part. Après, à voir s'il arrive à s'échapper avant que je mette la main dessus. Hein, mais... quelque part en tout cas. Les vieux sillons, toujours présents. Il se balade à fond, hein, ce monstre-là. Hein. Comme dit, moi, je parierais bien sur une sorte de Radoban différent. Une variation. Il y a des vieux sillons quelque part que j'ai loupé. Ah, juste ici. Ah. Du minerai par là, oh, ça a l'air d'être un nid de quelque chose. Un foyer en tout cas. Du fusium. Allez, allons-y. Allons-y pour les minerais au nom rigolo. Alors, il y avait autre chose du mucus là. Hop. Ah, du vieux goudron. Miam, la bonne mélasse. C'est à partir de la même chose probablement que les trous hein, du coup. Vu l'état de la barre. Hop 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 hop. Il y a deux étages au moins. Tac, ici ça commence. On arrive ici. Ah, je suis arrivé en fait sur la deuxième là. Et moi j'étais descendu là et j'avais commencé à explorer comme ça. Oh, les chaboteurs ici, incroyable. Ok. Ah, ah c'est rigolo, ils ont une petite cinématique chacun, faut arriver au bon endroit de la map pour profiter de leur introduction, c'est marrant. Ça. Ah c'est clairement un Radoban. Oh non, c'est un Radoban qui fait des bombes explosives. Ok, les explosions c'est le thème de la map quoi. Obligé, il y a l'espèce de grand dragon là, que j'ai été déjà tombé à plusieurs reprises. Bon, regarde.
d'abord sur de la popo. Hein. Non, j'aurais dû profiter aussi. J'ai pensé, faire ça vite fait. Voilà. Ok, go. Ok, le menton, c'est solide. Le mec qui me propose d'aider, bah vas-y mon gars, n'hésite pas, aide. Du sommeil j'imagine. Ah! Ah c'est pas la même, ok. Ok ok. Oh l'état de ma barre d'embûche. Là. Lui il atomise tout avec son menton. Incroyable. Oh oh, oh oh. Okay. Oh non. Et drôle ça. Oh oh. Ça sent pas bon. Là, ça sent le chaos. Oh, Bubblegum qui arrive avec sa petite voiture. C'est adorable. Ok, je sais pas comment j'ai survécu, mais j'ai eu énormément de chance. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Je le vois là-bas, au loin. Il fallait bien un autre monstre de cette map de mort. Il vient donc nous rejoindre. Lui, il a pas besoin de... Il a pas besoin de cinématique, lui. On le voit à chaque fois. Quel enfer. En même temps, ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment exploser partout. Battez-vous! Oui, oui, ils se battent! Allez-y, allez-y, battez-vous! Je récupère les morceaux en attendant. Quel enfer! Oh, faudra ça avec toi. Cours, Bubblegum, cours, c'est pas notre guerre. Ils sont complètement fous. Oh, l'enfer sur Terre. Ok, je sais pas comment on va s'en sortir, mais on va tout tenter. Hein. Je regrette. Parce que là, c'est trop facile qu'il y en ait un qui rugisse, je suis stun, je me prends l'explosion du gars d'à côté. Il faut tellement de zoning naturel. Ah oh bah le gars est parti, d'accord. Bah reprenons alors. Puisqu'on en est là. Oh oh. Ok, j'ai réussi à pas être dedans. Un peu fier. J'ai plus le coup, mais ça va. Cessez donc. Lui aussi il se casse. J'ai toujours pas repéré tous les monstres de la Terre des Anciens, hein, vite en passant. Il y en a plus que 3 là. C'est ce qu'on essaie de me dire. Oh non, ils sont tous les deux là. L'enfer, non mais battez-vous, allez-y. Hein. C'est comme si j'étais pas là. Hein. Je suis prêt à prendre quelques minutes supplémentaires sur cette expédition, ça me permet de faire en sorte qu'ils s'en prennent pas la gueule. Hein. Oh oh. On peut s'arranger différemment, vous savez. Paf et paf. Ok, et paf et paf et paf et paf, 36 coups de couteau là, paf paf paf. Oh 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 oh.
Est-ce que tu as envie vraiment qu'on aille vers le deuxième monstre? Je ne sais pas. On y est en tout cas. Oh, il y a des hommes aussi. Vous voyez pas. C'est incroyable. Prends une potion. Il y a un objet là-bas. Pas pour toi, risque, il faut que je prenne. Réduction de dégâts en tout cas. Et il se recasse. Il est toujours seul avec lui. Alors vraiment le combat entre les deux en simultané. Je sais pas si je suis d'accord. On remplit ça. Il commence à fatiguer apparemment. C'est plaisir. Il a pas aimé. De tous ces affrontements, de tout ce chaos, j'ai gagné un peu. Oh oh. Tu. Oh, comment il était en train de se concentrer, il est pas content. Je comprends, mec, je suis désolé. La constipation, c'est un fardeau en soi. Ok, ok, il commence à bouiller là. On sort du mal, j'ai l'impression. Bouge pas. Est-ce qu'il est au stade où je peux le piéger? Je sais pas. Le prendre ça. Oh. Ah, il a des petites insulames, des sortes de petits réacteurs dans le ventre. Dis donc. Ce genre d'anecdote, je suis sûr que le prof de bio serait très content de la balancer. Typiquement, il commencerait par mais le saviez-vous? Il a l'air de bien rouler encore. On va prendre un petit popo, on va pas les lésiner dessus. Oh, j'ai eu de la moule. Manquait plus que les lunettes de soleil là. J'ai pas l'air de. Encore capturable. C'est pas boité ça. Zone. C'est vraiment cool. Et qui tourne autour en même temps qu'il y a les yeux. Même le fait aussi. Il est
pas encore en train de boiter là. Ok. Expédition, hein. Est-ce que si je prends une ration... C'est bon, je les prends jamais. Ah mais j'ai des boissons fraîches, j'avais oublié. Ça m'aurait servi avant. Attendez, déjà je vais viser ça. Ah bah non, j'ai pas de ration. J'ai pas de ration. Allez, viens. Antidote. Ah si, j'ai ration ici. Hop. Une jolie barre d'endu, ça peut toujours servir. Je peux aussi rapidement artisanat me refaire de la. De la méga potion. Voilà. Hop, pas pour rien que j'emmène de quoi crafter. Et régissez sur place. Oh oh. C'est bon. Voilà, par contre, il me trimballe comme jamais. On va vite prendre une super potion histoire de tranquille. Enfin, une méga potion, pardon. Ça peut être. Oh là là, ça arrête jamais d'en produire. Hein. Il produit, il prend. Ça passe. Il y a un autre truc derrière moi, c'est ça. C'est la principe. Je sens comme une présence. C'est pas bon. On va faire ça. Il est l'autre. Il est vraiment là pour créer du chaos, lui. Hein. Sûrement, il est simplement. Il y a un objet là-bas, mais il y a trop de faits explosifs autour. Je prends pas confiance. Ah, il boite. Il va le tuer à ma place. Ah non, il boit plus. Est-ce qu'il a vraiment boité un jour? Je ne sais pas. Oh, excusez-moi. Je prends ça. Je cours. Ok, je sais pas trop où est-ce qu'il veut passer, donc je pose pas encore mon piège. Passer sur moi, hein, tout simplement. Yep. Capturé, allez. Alors, maintenant. Il nous reste encore un joyeux larron. Ok mon gars, je me remets en mode popo, mode combat. Bien reparti, hein. Expédition Niri. J'avais dit que l'expédition va faire l'épisode. Je crois que j'ai été visionnaire. Hein. Là, il a pris un peu. C'est pas ouf, mais ça a pris un peu. J'ai cru qu'il y avait un autre monstre qui était apparu sur le côté, mais c'était Régis. Régis, le monstre d'enchère. C'est bon. Ah non, mon gars, au bout d'un moment, tu viens tout le temps. Tant que tu payes. Il est temps que tu payes. Commence à bien faire, c'est l'histoire.
cher. J'ai pris cher, mais j'ai grandement grid. Ça, ça, ça. Je prends les popos, on va pas grid plus que ça. Okay, je crois, j'ai entendu des cris, donc je me demande s'il n'y a pas les petits chocs qui sont arrivés. Ok, c'est cassé. Non, il revient. Je sais pas. Et bah suivons-le. Et pour mettre un coup là-dedans. Bien sûr, il se met là où je vais perdre de la vie. Sauf que mon petit père, maintenant je sais... j'ai ça. Ok, c'est parti. Finalement, il est pas allé là où il y a la lave. Hein. Régis l'a réattiré, faut croire. Ça fait immédiatement rebord de potion. Allez, tranquille. Enfin, j'ai immédiatement. Voilà, juste le temps de marcher tranquillement sur le côté pendant qu'on fonce dessus. Vous savez que ça passe, ça passait, que ça passe. Merci, Diana, d'avoir repris tes esprits juste à temps. Ok, on est bien. On est reparti. Bubblegum qui tient le coup. Parce que c'est mon bubblegum. Oh, elle est résistante cette queue! Enfer! Celui-là, je me suis pris de plein fouet. J'ai voulu un peu trop tôt, à mon avis. Si j'ai cru qu'il y avait un œuf entre les pattes. J'ai eu. Alors, hop, hop, on enlève ça. Faut boire un coup. Même on boire une deuxième, tiens. On a encore pas mal en stock. Attends qu'il est attaqué. Là. Je suis bien. Je vais équiper ça. Ça pourra m'aider à tempo. En plus, cette fois je l'ai eu ta queue. Oh. M'a poussé lui. Oh, je pense qu'il serait un peu plus abasourdi. Si je pouvais faire une combo tranquille. C'est bon. Ok. D'accord. Une nouvelle fuite, l'habitude avec lui. Choper ça. Bon, au moins il fuit pas très très loin. Déjà ça te prie. Est-ce que je passe sur piège ou est-ce que je reste sur super potion? Parce qu'il m'enlève de la vie très très vite quand même. J'aurais dû crafter le piège par contre. Oh non!
J'ai cru que c'était un rocher, j'étais bête. Je vais revenir sur un. Le coco. Ah, si, j'ai oublié de faire les flammes. Ok. Cool. Je recrafte de la popo. Non. Il est trop fort. Il a tout esquivé. Voilà, bravo à lui. J'ai pas réalisé qu'il allait foncer de ce côté-là. Fou là là. On va refaire ce qu'il faut faire. Alors. Tac. Craft ce qu'on peut, parce que là c'est une belle grosse expédition quand même. Et bon aussi. Voilà. Et j'y retourne, hein, parce que j'ai pas envie de... J'ai envie d'amenuiser autant que faire se peut le risque qu'il s'en aille. Autant y aller direct. Bon, sûrement que je reprenne une grosse... popo quand même pour le soin. Pour ma barre de vie. Ah. C'est bien, il... Chaud du steak. Alors c'est... C'est là que je veux. Il est chaud du steak, mais je pense que je peux le prendre. Je peux le terminer, parce que j'ai quand même bien entamé, je pense. J'aimerais bien savoir si je serai bientôt en capacité de le capturer. S'il faut vraiment que je le tue à la place, je le tuerai à la place. Oh, autre bestiole encore. Bien entendu, encore récupérer ça. Des vieilles empreintes. On va voir ça après. D'abord, j'essaie de finir lui. Oh oh. Commence bien. Ok. C'est très très bon. Tac, tac, tac. Dommage. C'est pas très efficace sur lui. Direct. On se met bien. Sur Régis. Qui tient le coup, hein. Incroyable Régis. J'ai même pas enlevé son armure avec toute la combo ennemie. Garde des territoires. Toi qui oui. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un Devil Joe. Ah c'est ça le fameux.
Oh, mais il va le finir pour moi, là. On va préparer des pièges, hein. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, le David Joe, c'est lui, là. Cours, cours, cours. Ça a l'air d'être un Anjanas version flasque, là. Pas sûr d'apprécier. Il me poursuit. Il me poursuit. Il me suit comme jamais. Cours, 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 cours. Et j'ai toujours pas repéré tous les monstres. Quel enfer. Ok, faut que j'arrive à capturer celui-là vite. Allez. Ok. Les potions. J'ai plus beaucoup de potions. Je pense que ça devient compliqué. Ok. Bon. Bah, nouveau challenger, hein, du coup. Enchanté. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cet enfer? Non. Oh, c'est Cisco. Fléau dragon. Voilà, fléau dragon. Même si c'est plus une expédition, on est en train de faire tout le jeu, là. Loin en plus cette horreur. Ah, sa bouche elle me fait flipper. C'est toutes ces petites pointes autour là. J'ai l'impression que c'est des dents autour. Oh là. Ouais, ouais, lui, lui il a côté Anjanas, ce que je vais pas aimer. Ouf. Oh, il a fait la distance tellement vite. Non, non, j'ai fait une roulade parce que j'ai eu peur. Non, c'est terrible. C'est terrible. Alors ça, j'en ai déjà parlé, hein. On va discuter maintenant. C'est pas le moment. Oh, ok, très bien. Ok. Oh là là, Régis, Régis, t'es un dieu, Régis, t'es un dieu. C'est moi qui t'ai tué, Régis, mais t'es un dieu, hein. J'ai moulé sur le fait de ne pas prendre les coups là, mais... Oh. Quel énorme enfer. Donc il y a encore d'autres monstres qui se baladent, hein, sur cette map en ce moment même, oui oui. Apparemment. Apparemment, apparemment. Pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. Sa musique fait peur, quoi, sérieusement. Ok. Bien en chair, hein. Que du muscle, hein, à l'emploi du coup. Oh,
pas caser 3 coups sans prendre une charge arrière. Immédiatement puni. La bonne explosion. Il est fatigué. C'est bien. Ok, c'est cool. Des vieux piaf autour là. Ok. Excellent. C'est pas excellent ça. Il est colère. Régis, Régis le retour. Régis là pour nous sauver. Oh il a bougé, il est bougé. Et c'est Régis qui prend. Je suis navré Régis. C'est vrai le retour. Oh. C'est une autre combo que la combo A3. Hein. De potions commence à être dans le mal. Quelques dégâts de temps en temps, mais il a duré 10 ans du coup. Hein. Vache. Oh. C'est Bubblegum qui tire. Putain, il est présent. Le mur. Si j'ai pas tourné dans ce sens là, voilà, on va faire avec. Ça passe, j'ai pas pris très cher. Allez, redresse-toi, tu peux y arriver. Plus bien. Oh, les empreintes d'un autre truc inconnu. Comment dirait-on? Ok. Oh, quelle bille. Hop. Hop. Bestiole par ici. Ok. Fou la vache. Ok, ok. On est pire à défaut d'avoir autre chose, quand même. Je pense qu'il est pas encore vraiment affaibli. Oh non. Il y en a un deuxième comme ça. Vraiment. C'est quand même pas de lui que j'ai eu le... Si, c'est lui. C'est à lui que ça appartient, les vieilles empreintes, là. Lui, je le connais déjà, du coup. Dodo Gamma. Oui, c'est le même. C'est juste qu'ils disent monstre inconnu tant que...
Tant qu'on l'a pas croisé, même si on connaît déjà son espèce, peut-être. Ah, mais le nombre de monstres qu'il y a dans la map! Oh, c'est parce que c'est une expédition, du coup ils en remettent, je sais pas. Allez. Un cœur vaillant, ouais. Alors que d'un coup, de la lave. Toujours plus. Il boite ou c'est moi là? J'ai pas bien vu s'il boitait ou pas. Je crois qu'il a pris cher avec la lave. Préparer piège au cas où. Oh non. Arrêtez, arrêtez. C'est pas possible. C'est quoi cette fois? J'en peux plus. C'est quoi cette expédition? J'ai pas refait de piège électrique, je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour en faire. Déjà refoulé. Lava siote. Ok, bah allons-y hein. Là, je crois que j'ai pas assez de pièges. Oh la vache. Oh la vache. Oh, c'était le dernier qui me manquait, tiens. Il est où mon monstre? Bonjour. Il a disparu? Il s'est fait bouffer? Quand même pas. Si. David Joe. Vous intéressez personne. Attendez, il est passé où mon... C'est bien le David Joe qui est là-bas. Hein. Bon, le Lavatio, je suis content de l'avoir repéré, c'est cool. Mais je vais pas le capturer. Je pourrais tenter de le buter. C'est vrai aussi. Je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour Tisana. Tiège. Je peux refaire des bombes, mais... Je peux refaire le piège. J'ai plus de boîte. J'ai plus de boîte. Je vais... Il me cherche maintenant. Il me cherche. Je vais repasser comme ça, alors. C'est pas un problème. Je peux repasser comme ça? Aux épines. Ça, c'est le... La Gigante, on va prendre quand même. Le nerf Gigante est passé par ici. On est sur la bonne piste. Oh non, non, il y a l'autre qui arrive, vite. Tout ce que tu peux, cours. Cours, là, les flics. J'ai le droit de passer ici? Oh oui. Alors moi, j'ai le droit. Oh bon, qui dit, c'est le jeu, là. Oh la vache. Cette expédition de malade. Ok. Ça, c'est pas mal parce que je peux refaire de la popo. Non, j'ai rejoué du miel, hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai, bande. L'arbitre, ah, je peux pas monter ici. Il est en train de se battre avec un autre truc et je peux le rejoindre. Ah, mince, je peux. Je... Ah, peut-être là, peut-être que j'ai pas. Bon. Ok, c'est pas grave.
On trouve un autre chemin. J'arrive, hein. J'arrive, mon petit. Ça aura vraiment été tout l'épisode, hein, cette exploration de folie là. Et c'est une belle expédition, hein. Vache. Ok. Il a pas l'air de boiter de ouf. Il s'est régénéré un peu. Ils ont pris rien, juste parce qu'ils étaient là. Question étant, est-ce que j'essaie de le capturer là ou pas? Parce que du coup, je sais pas si c'est un mode botte ou pas. Ah merde, alors plus de mal qu'avant. C'est peut-être juste une phrase. Hein. Et qui a pris toute l'arène, hein, devant moi. Au pire, tu n'intéresses pas ça. Je vais te le dire, mais. Il faudra accepter. Mis sur le vis, même le finish, je crois qu'il était déjà parti. Ok, je suis pas sûr pour la pierre, pas sûr de moi là. J'ai passé en dessous de ta gueule. J'ai mal joué. Que ça va être la combo à 3. Aïe aïe aïe, il va peut-être me renvoyer en train de là. C'est moi. J'étais là. Derrière. Mec, trop pro. Il va bientôt quitter la région. Bon bah, allons-y après. Autant près de à se faire capturer que l'autre. C'est pas assez facile. J'espère rien.
J'espérais, mais pas du tout. Ça, je peux en faire. C'est tout ce qui me reste. Ouais, au pire, si je meurs, c'est pas grave. Mon temps est compté pour essayer de le choper. Au moins, de ne rien regretter par rapport à ça. Non, c'est la combo à 3 et la combo plus. Oh non, le fait d'avoir le bout de la queue, machin, c'est fatigant ça. Bien. Oh, il balance des rochers maintenant. J'ai zéro potion. Enfin, j'ai ça. J'ai ça qui me redonnera un peu de vie. Je ferai avant. Ah, je pense qu'il va me renvoyer 6 pieds sous terre. Ok. Dommage. C'est un beau grid quand même. Comme le caillou. Ah. Ça semble compromis, hein. Ça semble compromis. Ouh, la vache. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'ai accès à mon coffre. Hein. Il est vrai, inventaire. Ah, est-ce que je peux faire de l'artisanat depuis ici? Équipement. Pas l'impression. Ah si, artisanat, autant pour moi. Alors allons-y, paf. Un petit stock ici. Alors, faut que je me dépêche avant qu'il s'en aille par contre. Non, ce serait légèrement triste. Inventaire, donc je vais vous reprendre. On va faire ça n'importe comment. On va faire ça n'importe comment histoire d'y retourner rapidement quand même. Je veux ça, je veux ça. Et du fumier, hein, du fumier. Mettez-moi du fumier s'il vous plaît. Hop. Et de la potion comme ça. Là. Go, go, go. Bon, qu'il s'en aille. C'est la vraie menace au final. J'ai l'impression que je peux revenir autant de fois que je veux. Je peux pas toucher moins d'argent parce que de toute façon je touche pas d'argent à la base pour cette expédition. Je crois pas en tout cas. Oula. Les pinceaux dans les touches. Vite, cours, 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 on n'a pas le temps pour ça. Même les grosses épines et tout, c'est super sympa, mais là je veux choper le grand gars là. Vite, vite. Et là, vite. Okay. Non, 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 t'en vas pas, t'en vas pas. Il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Non, 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 on revient. Ah, quel dommage, tout ce que j'avais mis en jeu dans ce combat. Oh, voilà, bien attristé, tiens. C'est vraiment ça la menace, quoi. Là, c'est qu'ils disparaissent et... Que ce soit tant pis pour toi. Je suis en train de me demander, quand je suis en mission, bien sûr, c'est différent, mais... Je pense qu'on pourrait installer le camp ici. Super. Allons demander conseil à l'intendance. Quand en plus, là.
en expédition, je lui fonce dessus, quoi, quitte à crever, mais... Le truc de crever, par contre, c'est qu'il y a tout le temps de refaire le trajet. Faut quand même pas faire n'importe quoi, mais... Je pense que je peux être dans un mode où je prends plus de risques si je suis dans une expédition comme ça, alors. Comparé à... À une mission où... Pas que je meurs plus que deux fois, machin. Oh, bon bah ça aura pris tout l'épisode, hein, je vous le dis. En dehors de ça, on va juste aller au QG et terminer. On va aller chercher le trou monstre encore et ainsi de suite. Niveau gameplay, je crois qu'on a eu le gameplay de cet épisode. Et quel gameplay. Sacré explo, hein. Vache. Il y avait des empreintes... Par ici. Oui, des grosses épines, là. Grosses épines, voilà. On va se récupérer ça, quand même, parce que c'est directement en rapport avec l'avancée de l'histoire. Oh. On y est presque. Apparemment, j'ai même eu assez d'écofacts. J'ai vraiment fait tout ce qu'ils ont attendu de moi. Alors, je suis très content, là. Ordinaire, on a vraiment fait une expédition qui a rempli tous les objectifs. Mais la jauge n'est pas encore pleine, hein, mais... À mon avis, il faudra faire une mission avant. Comme précédemment, hein, de toute façon. Ok. Il y a une petite carcasse là-bas. On mettra la rajouter à la map aussi. Voilà. On va voir un autre truc. On va dire que non. Retourner au QG. Hop. Eh ben. Bon, j'ai payé le prix de ma prudence. Hein. Tous ces moments où j'attendais de trouver l'instant d'attaquer, machin, j'aurais pu y aller davantage. Et oublier qu'il y avait le coffre dans la tente. Et que je pouvais revenir potentiellement plus que deux fois. Hop. Et qu'il n'y avait pas de malus sur une prime, vu que cette dernière est inexistante de toute façon. Donc à partir de là... Oh la vache, au dindon impérial pour les barbares, foie gras suprême, c'est la fête. Donc à partir de là, j'aurais pu être beaucoup plus agressif. Ça aurait pu porter davantage ses fruits. C'est pas grave. Je suis déjà content de pas avoir trop galéré non plus. Je me suis fait buter deux fois et ainsi de suite. En effet, mais j'étais pas non plus une proie tout le long du combat face à une, ce qui m'apparaît comme étant une sorte de variation de l'Orjanas, et donc ce qui m'apparaît comme étant probablement mon prochain gros trauma. Donc sachant qu'on s'est quand même bien débrouillé tous ici, hein. Vous avez fait partie de l'équipe, bravo. Écoute-moi. Avec l'équipement qu'on avait, en étant relativement éreinté, je sais pas combien de monstres il y avait de capturer là, mais on en a capturé. Je suis content de cette expédition. Et voilà, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. J'ai reçu un certain nombre de rapports des équipes de terrain signalant la présence de dragons anciens un peu partout. Ces rapports ont commencé à affluer peu après votre départ pour les terres des anciens. J'en déduis qu'il existe un lien avec ce que Manigrance, le Nergigante. Nergigante, normalement. Il faut donc que tu continues à explorer pour essayer de tirer tout ça au clair. De mon côté, je vais tâcher de rassembler autant d'informations que possible à ce sujet, afin de déterminer la marche à suivre. Zora Magdaros est apparu, quête libre, reste de quête. Quoi ? On manque de données. Investigation disponible, allez voir les Woody heureux. Attendez, Zora Magdaros est apparu ? Je comprends plus rien. Alors lui, il a un point, mais bleu. Chasseuse, quelle heureuse coïncidence. Tu arrives à point nommé un talent rare de nos jours. Merci de nous avoir escortés à travers le désert des termites, nous en sommes reconnaissants, ça date. Malheureusement, une autre question de très grande importance exige une attention immédiate. Le commandant sera également présent, le temps presse, via chasseuse. Ok. Je suppose que vous avez réuni le conseil pour une raison importante. Oui, commandant, malheureusement, la situation s'annonce inquiétante et terrifiante. Chasseuse, je suppose que tu connais l'importance d'une chaîne alimentaire. Les prédateurs et les proies définissent l'équilibre naturel dans un écosystème. Étudier la chaîne alimentaire nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne la vie dans le Nouveau Monde. Il existe une créature terrifiante qui met en péril les fondations mêmes de cet écosystème, et cette créature, c'est nous.
Et pour la première fois, nous avons trouvé des traces de ce monstre dans le nouveau monde. Attendez, est-ce que... Vous parlez du Devil Joe? Ah bah, le fameux. Bah tiens, enfin, non, bref. Ça, ça a pas l'air d'être n'importe quel monstre, hein, du coup, quand même. C'est impossible que fait un Devil Joe dans le nouveau monde. Du coup, j'imagine qu'il existe dans les dans d'autres jeux de la franchise, pour que les gens le connaissent, mais qu'il soit pas sur le nouveau monde de base. Il n'y a aucun doute, commandant, j'ai vu ces écofacts de mes propres yeux. Devil Joe, le dévoreur de monde. Bon sang, c'est une catastrophe. Sa présence est un danger pour tout l'écosystème. Le Devil Joe est une menace encore plus grande que les dragons anciens. Peut-être que j'étais même pas censé en avoir un, parce que c'était juste genre une sorte d'event, parce qu'il y avait la notification qui disait hey, « Devil Joe est là maintenant, incroyable !» Je sais pas. Ok. Mais si pas de bol, il était là. J'aurais pu avoir le mec de lave. S'il avait pas été là. Très bien, voici comment nous allons procéder. Vous trois serez en charge de l'investigation. Chasseur de la 5ème. Retrouvez tout ce que vous pourrez sur les Devil Joe et faites votre rapport aux 3 Zéonis. Nous aurons besoin de l'aide de toute la 5ème pour chercher des indices. Lorsque nous aurons suffisamment d'informations, nous pourrons déterminer sa localisation géographique. Ah bah moi je l'ai combattu hein. Je sais où il était. Oui, mais il est plus, c'est vrai. Nous développons également un nouvel outil de survie pour nos chasseurs. Par contre, entre guillemets, heureusement que je ne l'ai pas capturé, parce que sinon ils auraient eu l'air un peu bêtes avec leur mission. Hein. Et les recherches sur le Devil Joe nous aideront certainement à progresser. Nous te donnerons l'outil dès que tu seras prêt. Fais attention à toi, chasseuse. Le prédateur ultime, le dévoreur de monde, l'infâme Devil Joe, a été repéré dans le Nouveau Monde. Il menace à lui seul tout l'écosystème du continent. Dans chaque région niveau expert et les quêtes libres de niveau 6 ou 7, vous trouverez peut-être des écofacts du redoutable Devil Joe ou la viverne elle-même. Ah oui, en effet. Lorsque vous aurez récolté suffisamment d'écofacts, parlez à l'érudit heureux qui vous confiera une mission spéciale. Attention, le Devil Joe peut également apparaître dans les quêtes où il ne fait pas partie de l'objectif principal. Elle est vraiment là pour mettre le dawa. Les missions spéciales sont des quêtes qui n'ont pas de rapport avec la traversée des anciens. Pour recevoir une mission spéciale, parlez à un personnage avec un point d'exclamation bleu. C'est des quêtes annexes, mais plus importantes que des quêtes... Investigation complétée. Ah bah, on dirait tant. Ainsi pour ta patience, chasseuse. Nous avons analysé les écofacts trouvés par la 5ème. Allons autre part, par ici. Alors du coup, ouais, c'était rapide. Hein. Nous avons enfin terminé les analyses des écofacts, notre rapport est prêt. Nous avons réussi à déterminer la position géographique des bijoux, ce n'était pas facile. La créature va et vient à sa guise et c'est un miracle que nous ayons pu la localiser aussi vite. Il s'agit peut-être de la seule et dernière opportunité. Nous avons posté une nouvelle quête, le tyran de la chaîne alimentaire, un défi de taille. En raison du risque très élevé, personne n'est autorisé à entrer dans la forêt ancienne. Son assistante doit donc rester au camp, c'est pour sa sécurité. Au bijoux. Maintenant que tout est dit, allons-y. Bon, allons-y. Ah, j'ai peur. Nouvelle mission spéciale disponible. Content de te voir. Splendide, voilà la 5ème flotte. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Les 3 érudits ont enfin localisé l'habitat de la monstruosité volante connue sous le nom de Baselius. Si tu me demandes d'en capturer un, je suis désolé, mais tu vas avoir l'air un peu bête. Hein. Aucun scientifique digne de ce nom ne laisserait passer une occasion pareille, il faut aller voir ce qu'il en est. La quête s'intitule Le Champ de Flamme, toute aide de ta part sera la bienvenue. C'est toi, je sais pas si t'as remarqué, c'est peut-être un sosie, hein, mais la ressemblance est tout de même frappante, il faut juste se retourner. Monsieur, vous êtes ingénieux, c'est votre nom de famille qui le dit, monsieur biologiste ingénieux. Je peux peut-être t'appeler bio, hein, d'ailleurs... ami désormais, hein, on se connaît pas mal. Juste retourne-toi. Retourne-toi et t'auras peut-être une petite surprise. Ce n'est pas ton petit chien gentil qui est en train de ronronner là, de soupirer. Le mec. Est-ce que tu pourrais me capturer? Il est derrière toi. Mais est-ce que... Tout va bien? Pas lui, hein. Un mieux. Recommence. Ayant besoin de me rendre quelque part, je lui ai demandé de me déposer en dirigeable, mais la présence d'un monstre nous a empêché de nous poser. J'ai préparé une quête pour résoudre le problème. Une dirée de glace. Si je veux continuer à faire pousser l'arbre millénaire, il me faut impérativement atteindre cet endroit. Il serait vraiment regrettable pour tout le monde que je finisse dans l'estomac de monde, bien sûr. Ah. La combo des deux qui peuvent pas s'entendre, là. On est sur la grosse quête, hein, mine de rien. Après, je pense que le jeu s'attendait pas forcément. Parce qu'en une expédition, on capture...
trois monstres en en combattant un quatrième. Je peux saisir. J'ai le même problème avec Hadès. Je peux comprendre. Tu veux bien m'aider à trouver des nouveaux ingrédients, bien sûr. Nouvelle quête ici. Battre 10 Gajalaka. Allez, ça sera dans leurs dents. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points d'exclamation? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y en a dans le poste de recherche? Non. Il y a juste Terre des Anciens. Pourquoi il y a Terre des Anciens? Chercher des écofacts. Sur le nerf gigante. Ah oui, parce que j'ai pas terminé l'investigation sur le nerf gigante. Ils m'ont dit de retourner au QG, mais c'était pas terminé. Chose qui arrive. Alors, il me faut un coffre. Je m'occupe de mes affaires hein, un peu. Là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tac, on va faire ça, on va faire ça, on va enlever ça. Alors, ici, c'est les popos. J'en veux 6. Ici, j'en veux 10. Ici, c'est ça. On va remettre ici. Ici, j'en prends 2. Tac, je re-remplis ça. Je re-remplis les rations. Ça, ça avait été mis rapidement, donc on va faire comme ça. Ce sera plus sympa. Ici, on met ça. Les boîtes viennent ici. 2, 2, c'est très bien. Lui, il est à 8. On prend 8. Les champs paralysie. Oups. On en remet 2. Pouf! Les boissons fraîches. Bah, moi, les boissons fraîches, c'est pas mal, mais uniquement quand je suis sur cette fameuse map, quoi. Mais je pense que du coup, déplacer. Je vais les garder parce que prochain épisode, je vais sûrement. Ah oui, mince, le miel. Bête que je suis. On va faire ça comme ça. Et je reprends du miel, j'en reprends 4. Déposer. Bon, attends, comme ça, voilà. Il y a des chances que j'essaie d'avancer dans l'histoire là, dans le prochain épisode aussi, donc. C'est juste en faisant la petite expédition, machin. Donc, garder les boissons fraîches sur soi, pourquoi pas. Paf, ça je peux enlever par contre. Voilà. Pouh, vache. Quelle folie. De la popo, hein, parce que de l'herbe j'en ai. Aller. Super, donc mon coffre, on est bien. Safari, je pense qu'il n'est pas encore prêt. Par contre, il y a des roquettes, des trucs biologiques. Là. Ça pour le coup. Il est avis que je peux y passer rapidement. Ça ne s'arrête plus. Il n'y a pas eu de vivre en rapace. Voilà. Alors, je vais prendre le technique. Casser des petits compteurs encore, c'est cool. Vers l'accro. Ça. On verra bien ce que ça donne. Ensuite lui. Oui. Lui, il n'y a pas de grosse mise à jour d'un coup. Il est disponible. Quête faite même. Hein. Là la jauge est presque pleine. Devil Joe, Nerf Gigante, Baselgeus, Uragan, Lavasio. Je vais laisser tranquille. Dodogoma. Ok.
Quelle pure folie. La récolte, la récolte. Récolter, hein, justement. Prendre tout. Cultiver. Je vais. Alors, 17. 18. 48 en mandragore. Je vais remettre du champ paralysie. J'ai plus que 16. Et remettre du miel. Ok, il vaut mieux que je factorise, que je fasse que des champis, comme ça je peux mettre les gros trucs de champis. Moi j'en ai 0 là d'ailleurs. On avait récupéré des champicoles. Et les objets que j'ai perdus en mourant peut-être. Ah, peut-être que c'est ça le... la contrepartie. Quand tu meurs en cours d'expédition, enfin quand t'es mis KO, tu perds une partie des objets que t'as dans ton sac. C'est ça le délire. C'est ça là. J'imagine que c'est des choses qu'on m'a appris au début du jeu, mais... j'ai pas oublié. Hop. Pour la croissance des champignons. C'est super. Cool. Donc ma sacoche, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut dessus pour repartir de plus belle. Super, j'ai racheté quelques boîtes à pièges parce que je crois que j'en ai quasiment plus dans mon coffre. Non, vers le coffre. Type de piège. Oh, j'ai plus beaucoup d'argent là. J'ai plus que 4600 balles. Il s'est basé. Est-ce que ça m'a pris la thune de mourir ? Bon, on va acheter un peu moins. Ou alors est-ce que j'ai pas fait attention à un truc et d'un coup je me suis mis à dilapider mon argent? Possible aussi, hein. C'est possible aussi. Ah, peut-être que mourir dans les expéditions a quand même des conséquences, hein. Faudrait que je regarde. Bonus de connexion. Vous donnez-moi le bonus de connexion. Hein. Je viens de voir qu'il y avait une notification sur le côté. Alors qu'elle était là sûrement dès le départ, dès mes premières sessions. Mais... j'ai pas fait gaffe. Ouais, puisque là, ma thune, ou alors c'est moi qui ai pas fait gaffe comme dire. Parce que je m'amuse à créer des trucs comme ça, la forge et tout, mais... qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va augmenter nos prix, il fait pas gaffe. Chargeur son brassier, Nadja Gyros. Abîme Giora, il y a 1 million de nouvelles armes. C'est la grosse fête. Basel Joss. Uragan ici. Oh là là. Allez, petite prévision. Oh la vache. Un chevalier du Zodiac. C'est mignon. Ah ouais. Mignon. Lingot au métal, Zora Magdaros, Dodo Goma. Ah, Dodo Goma, ça ressemble à quoi? Allez. Ah, c'est juste un color swap, sinon. Le Barnos. C'est quel monstre, le Barnos, déjà? Ah, c'est les oiseaux. Les oiseaux. Radoban. Et puis après, on retombe sur ce qu'on connaît déjà. Hein. De toute façon, j'ai pas une thune. Comment ça se fait que j'ai pas une thune? C'est quand même incroyable. Hein. Ah, je regarde. En vrai que je regarde, hein, quand même. Enfin, si, à être fauché sans m'en rendre compte. En cas de doute, il faut que tu goûtes. Nouvelle quête. La quête du Zora Magdaros est disponible. Cette quête apparaît aléatoirement parmi la liste des quêtes libres. Après avoir complété une autre quête, ou lorsque vous retournez à Astera après une expédition, attention, cette quête ne reste que le temps de deux quêtes. Soyez attentifs à la musique du jeu et aux annonces affichées à l'écran. Les probabilités que cette quête apparaisse augmentent au fur et à mesure que vous augmentez votre rang de chasseur. J'imagine l'idée c'est pour pouvoir farmer un peu du Zora Magdaros, mais c'est toujours la même quête quoi. Il y a un 2 ici. D'un Z hein, qui veut dire Zora. Guider le Zora Magdaros.
Ok. Donc sinon, et des miaou. Quoi ? Abattre 13 castos donc. Okay. Actualité ardent. La chasse ici. Il y a un million de quêtes qui sont arrivées. Ici pareil, un million. Le nombre de quêtes qu'on a débloquées. Mon dieu. Ok. Ok, ok. Alors, je vais peut-être aller vite que la musique avec les captures. Hein, mais... D'ailleurs, il n'y a même pas toutes les captures encore. Il y a la Rapiane et il y a l'Uragan, mais... Alors, moi, je sais pas si les autres peuvent entrer dans l'arène. Une idée. Ok, bon, et ben on a un million de quêtes, à peu près. Ce sera l'occasion de se refaire de l'argent, de toute façon. Je pense que c'est parce que je suis mort en expédition que j'ai perdu de l'argent. Ou alors vraiment que j'ai acheté un million de trucs à la forge et je me suis pas rendu compte que je dilapidais tout mon argent. C'est possible, c'est possible. Et ça me va très bien, hein, pour être honnête. Ça va bien de me refaire une petite fortune à partir de zéro. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça a été un épisode, ma foi, riche en surprises de mon côté. Je suis lessivé. J'ai beaucoup aimé faire cette expédition de pure folie. Il y a certains points qui me stun, qui m'étourdissent un peu là sur le fait de débloquer des quêtes de Zora, des Zora Magdaros et tout comme ça. Parce que ça s'accumule, mais je pense que c'est aussi parce que je suis tout simplement fatigué. On se retrouve pour la suite dès que possible. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu. Je le trouve assez unique dans sa structure et dans ce qui s'y est passé. D'ici que l'on se retrouve, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye.